for the word of God. Ooh. Pour la MAE, merci que le Seigneur bénisse les enfants. May the Lord bless all the children. Yes. Nos moniteurs, nos monitrices. Je pense qu'il y a un micro qui est ouvert sur la scène, si je ne me trompe pas, pour que ça fait leur scène comme ça. En tout cas. OK. Gloire à Dieu. On va prendre tous nos Bibles et on va. So let's take our Bibles. Brandir en haut et on va faire notre confession de foi. And we are going to confess our faith. Ceci est ma Bible. This is my Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. I am what she says I am. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. And I have what she says I have. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. And I can do everything she says I can do. Je suis seul au point. I am about de recevoir to receive la semence the seed, incorruptible, incorruptible, indestructible, parole de Dieu. The word of God. Mes pensées sont alertées. My thoughts are on alert. Mes oreilles sont ouvertes. And my ears are opened. Mon cœur est réceptif. And my heart is et dans le nom de Jésus, Jesus, ma vie my life ne sera jamais, will never, jamais la même. Never be the same. Amen. En tout cas, pendant que nous étions en train d'adorer, so while we were worshiping all together, j'entendais dans mon cœur. I was hearing in my heart. Beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de faire l'expérience d'une atmosphère bizarre sur vous, sur votre maison. Perhaps you are experiencing a sort of strange atmosphere in your house, on yourself. Une semblance de crise de panique, de peur, de crainte. Something which looks like panic or fear. D'incertitude. Uncertainty. Ou même maladie. Or even sickness. Et on va juste se mettre en agrément avant qu'on commence à faire so quoi que ce start, soit. On va nettoyer, on va dégager ce qu'il faut dégager. Père, nous te remercions. So Father, thank you. En tant que ton Église, church, nous nous mettons en agrément. We are all in one accord, et nous décrétons and we decree une liberté totale full freedom, dans chacun de la vie de chaque individu, in each one's life, ceux qui sont là, those are present here, ceux qui nous regardent, and those are watching us, au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Et aussi, pour ceux qui se demandent, le pasteur Jean-Pierre et le pasteur Régine, ils ne sont pas là, ils sont dans un mariage ou pas, peut-être ils sont en train de nous regarder, and juste tourner, faites un petit coucou, un gros bisou. Amen. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de versets à lire. So we have many scriptures. Donc, ce que je vais faire, je vais vous le donner, vous l'écriviez. So I'm going to give them all the scriptures, you write them down. Comme ça, si je le paraphrase, vous ne serez pas perdu, vous aurez les citations. So that if I'm just doing a sort of paraphrase, you will have all the right quotes. Premièrement, Ésaïe 60, le verset 1. So Isaiah 60, verse 1. Deuxièmement, Luc, le chapitre 18, le verset 1. So Luke 18, verse 1. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 17. So 1 Thessalonians 5, verse 17. Éphésiens, le chapitre 6, le verset 18. So Ephesians 6, verse 18. Matthieu, le chapitre 21 et le verset 12. And Matthew 21, verse 12. 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 1 à 4. So 1 Timothy 2, verse 1 to 4. Ok, je vais m'arrêter là. Est-ce que tout le monde a toutes les... Have you written je vais répéter. I'm going to repeat them. Ésaïe 60, so Isaiah 60, verset 1. Verse 1. C'est bon? Ready? Luc 18, 1, c'est bon? Luke 18, 1, yes. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 17. 1 Thessaloniciens 5, verse 17. Éphésiens, le chapitre 6, le verset 18. Ephesians 6, verse 18. Matthieu, le chapitre 21 et le verset 12. And Matthew 21, verse 12. 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 1 and à 4. Timothy 2, verse 1 to 4.
2 Chroniques 7, 14. And 2 Chronicles 7, 14. 2 Chroniques 7, 14. So 2 Chronicles 7, verse 14. Genèse 1, 26. Genesis 1, 26. Matthieu 6, le verset 9 à 10. And Matthew 6, verse 9 to 10. 6 to 10. Matthieu 6, le verset 9 à 10. Matthew 6, verse 9 to 10. Matthieu 16, le verset 19. And Matthew 16, verse 19. Matthieu 16, le verset 19. Vous êtes là? Are you with us? Ensuite, dans Genèse, nous allons mentionner ce que Abraham a vécu au temps de Sodome et Gomorrhe. So in Genesis, Abraham when he lived about Gomorrah and Sodom. Apocalypse le chapitre 5, le verset 8. Tu as bien entendu. Néhémie, le chapitre 1 et 2. Et ensuite, pour terminer, Daniel, le chapitre 10, le verset 10. Matthieu 16, le verset 19. Et si vous avez raté les citations, regardez le replay et vous allez avoir toutes les citations. If you miss the scriptures, what you can do, you just go into YouTube, you click on it, you watch the replay, you'll have all the scriptures. Okay, vous êtes prêts? Are you ready? Wow, quelle tâche, Seigneur. Ah, what a task I have. En fait, je vais prêcher aujourd'hui. So I'm going to preach today. Et je vais prêcher aussi le 7 juillet. And again on the 7th of July. Et ce que je vais faire, je vais que libérer une partie aujourd'hui et la deuxième ce sera le 7. So I'm going to share my preaching first today and the second part will be on the 7th of July. J'aimerais vous dire quelque chose avant d'aller plus loin. I would like to tell you something before we go ahead. Ce que je suis sur le point de vous transmettre, so what am I about to share with you? C'est quelque chose que je pratique depuis 30 ans. It's something I'm actually practicing for the past 30 years. Je pense si quelqu'un fait quelque chose depuis 30 ans, I think that if somebody is actually practicing and doing something for the past 30 je dis bien, years, on pourrait le considérer. We could consider, il sait de quoi il parle. He knows what he's talking about. Je dis bien, on pourrait. I say we could. Je ne sais pas si 30 ans ça suffit, mais en I tout don't cas, know voilà. If 30 years is enough, but... Je vais vous parler sur la nécessité de la prière. So I want to share to you about the need of prayer. Pendant que nous étions en train d'adorer, so while we were worshiping together, et j'entendais, I was hearing, ne sois pas un perroquet. Don't be surprised or amazed. Interloqué. Don't be a parrot. Interloqué, a parrot, sorry. Don't be a parrot, like me. Sorry. Et aucun diable, aucun démon va intercepter, va interrompre quoi amen, que ce amen. Soit ce matin. Amen. Et nous, en tant que chrétiens, so we as Christians, souvent, often, nous sommes comme des perroquets. We are like parrots. On est toujours en train de dire ce qui se passe. We are always sharing what is happening. On est toujours en train de dire ce qui arrive. And saying what is about to happen. Et que normalement, on devait avoir une longueur d'avance. And normally we should have a sort of length, we should be a length ahead of what's happening. C'est surprenant, n'est-ce pas? Amazing, yeah. Est-ce que cette saison que nous vivons, nous devrions être dans la panique? So this season we are in should we be panicking? Est-ce que cette saison dans laquelle nous vivons, nous devrions prendre peur? And this season we are in should we be fearful? Est-ce que cette saison, surtout nous, la France, que nous allons vivre dans deux semaines qui arrivent? And what's going to happen in France in 2 weeks' time? Est-ce que nous devrions être en panique? Should we be fearful of it? Être stressé. To be stressful, stressed, yeah. Vous savez, je vous remercie pour vos, pour ceux qui acquiescent, mais en réalité. So thank you for those who say yes, but in dans reality. Dans votre chambre secrète. In our very personal oh, life. Je ne sais pas ce qui va se passer. I really don't know what's going to happen here. Je ne sais plus. Oh, I really don't know. Je sais que vous avez vos photos du dimanche, mais en réalité. I know you have your
Sunday pictures, but in reality. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais faire une intro. So I'm going to present you an introduction today. Je vais lire quelques versets. I'm going to share some scriptures. Je vais vous parler du sujet. I'm going to talk about the subject here. On aura une conclusion. And then a conclusion. Et ce que j'aurais vraiment aimé, and what I would have really liked, qu'à la fin, that at the end of it, on prend vraiment un temps pour prier ensemble. We're going to have a time all together to pray. Je suis arrivé dans une saison de ma vie où je suis plus satisfait de ce que je vis et expérimente avec Dieu. So I'm in a season in my life where I'm not so more satisfied with what I experience and what I have with God. Je sais qu'il y a plus avec Dieu. I know there is more with God. Je veux plus. And I want, I desire more. Et je vais voir plus. And I'm going to see more. Ras-le-bol de vivre une vie desséchée, sans vie, sans impact, sans résultat. Fed up with a dry life without God's life. Je répète, ras-le-bol de vivre une vie sans vie, desséchée, sans impact et sans résultat. I'm really fed up to have a life, to live a life dried up, without impact, without results, without God's life. Je veux plus. I want more. J'attends plus. I'm expecting more. Je cherche plus. And I'm looking for more. Je crois que la vie chrétienne est plus que le fait de se rencontrer le dimanche entre quatre murs comme un club social. I really believe that the Christian life is more than just meeting all together on Sunday mornings and like a club. Je pense que je suis bien placé pour dire ce que je suis sur le point de dire. I think I'm in the right place to share what I'm about to share to you. J'ai la casquette de pasteur. I have the hat of the pastor. Et je suis dans une église locale. And I'm in a local church. Est-ce que c'est ça la vie d'église? Is that what it is, what the local life? Chanter quelques chants. Life, to sing some songs. Faire quelques annonces. Do some announcements. Avoir un message. Have a good preach. Et à la fin, chacun chez soi. Yeah, at the end, everybody's going home. Pas de résultat. No impact. No chacun results. Rentre comme il est rentré chez lui. Everybody's going home as he came in. Pas de manifestation tangible du royaume de Dieu no au milieu de nous. No tangible manifestation of God's kingdom in the midst of us. Moi, je crois qu'il y a plus. I believe there is more. Amen. Merci pour les quelques amen. Thank you for the few amens. Je dis, moi, je crois. I believe, I said. Qu'il y a plus. There is more. Je remercie la prophétesse de la maison qui m'a déjà précédé dans ce que je vais dire. I really thank the prophetess of the house who actually just went ahead of me concerning what I'm about to tell you. Vous savez, 1 Chronique 12:32 nous dit que les fils d'Issachar avaient une intelligence des temps pour savoir ce que Israël devait faire. 1 Chronicles 12:32, the sons of Issachar had a knowledge of what's going to happen, of the seasons they were in. Et je pense que nous, l'Église, c'est important que nous captons, nous saisissons cet esprit de sagesse et de révélation. As a church, it's so important to grasp this spirit of wisdom and discernment. Pour ceux qui ont Facebook, je vous encourage vivement, si vous voulez avoir un peu plus de ce que je vais dire. For those who actually have Facebook, I really encourage you to... J'ai commencé à faire un live tous les lundis. I started to produce a live every Monday. Moi, personnellement, voilà ce que j'entends. And personally, that's what I'm hearing. Nous sommes dans une saison d'accélération. We are in a season of acceleration. Nous sommes dans une saison où les choses cachées vont être révélées. And a season where the hidden things will be put out to the light. Nous sommes dans une saison où il va y avoir une distinction. A season where there is a distinction entre le fake et l'authentique. Between the fake and the true. Nous sommes dans une saison. So yes, we're in a season. Vous êtes prêts? Are you ready? Répète après moi, Fabienne. Suis. Sorry. Yes, I'm following you. Yes, yes. Nous sommes dans une saison. We are in a season. Où Dieu va mettre de l'ordre dans sa maison. The Lord's going to put some order in his own house. Nous sommes dans une saison, we are in a season, de réveil sans précédent. An unprecedented revival. Et en même temps, and at the same time, il va y avoir un temps de crise générale au niveau mondial. There will be a worldwide crisis. En même temps, at the same time,
côte à côte. You know, next to side by side. Yes, thank you. Side by side. You're welcome, Fabienne. Donc côte à côte, ces deux vont marcher ensemble. Ce temps de réveil. We walk together, the revival on the one side. Et ce temps de crise. And this time of crisis. Et il faut qu'on soit prêt. And we have to be ready for that. Il est temps que l'Église se lève. It's time the church rise up. Je dis, il est temps que l'Église se lève. I say it's time for the church au lieu to de s'apitoyer sur notre sort, don't have more pity over au your lieu own de se sake, lamenter, or to lament, or just mourn, or, au lieu de se bagarrer entre les uns les autres, fight one another, au lieu de critiquer les uns les autres, criticize one another, moi je crois que l'Église devrait se lever. I believe that the church should on rise up. Doit prendre notre place. We have to take our stand. Plus que jamais l'Église doit ever, être visible dans la société aujourd'hui. Je dis plus que jamais l'Église ever, doit être visible dans la société aujourd'hui. Today. Plus le temps de se cacher. No more time to hide. Plus le temps de se poser des questions. No more time to ask ourselves il est temps questions. De repositionnement to reposition ourselves et prendre notre place. And take a stand, notre que nous sommes supposés d'avoir stand, depuis des décennies, for many, many years, depuis des millénaires, for centuries, depuis des générations, for generations. Nous voyons une manque de force de la part de l'Église. We see a lack of strength amongst this church. Pourquoi cela? Why? L'ennemi a bien travaillé. The enemy worked well. Il a réussi à nous diviser. He succeeded in dividing, je dividing dis, us. L'ennemi a the bien travaillé. The enemy worked well. Il a réussi à nous diviser. He succeeded in dividing us. Et moi, laissez-moi vous dire, so j'ai pris la décision, you, I took the decision, made the decision d'embrasser tout le monde, to just welcome everybody, tous ceux et celles all those who want, qui proclament que Jésus est leur Seigneur, proclaiming that Jesus peu importe is their Lord, ta culture, whatever the culture, peu importe ta dénomination, whatever the denomination you have, peu importe quelle origine, whatever the origin you on have, est ensemble. We are all together. Ma femme et moi et nos enfants, so my wife and my children, depuis janvier dernier, since January, on a commencé à louer une salle sur nos propres frais. We started to hire a space on our own, with our own money. Et je peux vous dire que ça nous coûte. And it does cost us. Qu'est-ce qu'on veut faire? What do we want to do with that? On veut shifter l'atmosphère. We just want to shift the atmosphere. Je veux voir le réveil. I want to see the revival. Dans ma commune. In my own je veux voir village. Le réveil dans ma région. In my region, I want to see et the on est déjà en train de se connecter. And we're already connecting. Et bientôt, pendant Pasteur, on va manger ensemble. And some pastors we will eat on va together. Prier ensemble. We're gonna pray all together. Et on va bouleverser and notre we're gonna région. Shake our region all together. Il est temps que l'Église it's se lève. Time that the church rises up. Plus le temps de perdre. It's no more time to lose. Oh, j'ai un petit bobo ici. Oh, it's hurt oh ma facture here. N'est pas payée. Oh, my bill is not paid. Oh, j'ai bobo à la tête. Oh, it's hurt. Move. Lève-toi. Stand up. Et prends ta place. And take your stand. Ésaïe 60 dit. Ésaïe 60 says. Lève-toi. Rise up. Que ta lumière arrive. And your light may sur come. Toi. Over you. Sur toi, Église. Over you, church. Je sais que vous allez me dire, il parle d'Israël. I know that this is for Israel, this part. Ce verset a été parlé, on parle d'Israël. Yes, this verse was actually talking about Israel. Mais je crois que c'est prophétiquement parlant pour l'Église aujourd'hui. But it is as well prophetic about the lorsque church l'Église of today. Se lève. When the church rises up. Lorsque l'Église se lève. When the church rises up. Lorsque le bon berger se lève. When the bon berger rises lorsque up. Lorsque le corps de Christ se lève. And the people of la Christ gloire rises de up, l'Éternel the glory va of the apparaître. Lord, Lord will appear. Et nous savons que les ténèbres couvrent la terre. And we know the darkness are just mais over the earth. But on you, over you. Dis-le, sur moi. Just say it, over dis-le, me. Mets ta main sur ta tête, sur put moi. Your hand on your hand. La gloire over me, de the glory of the Lord. Oh, la gloire the de glory l'éternel. Of the Lord. Woo! Se lèvera gloire à Dieu. We raise up. We pour moi, il y a quatre voix. So there are four voices. Il y a quatre voix pour influencer. Four ways or four voices? Four ways to influence. Okay, so four ways to influence. Il y a différentes façons dont l'Église peut rendre son autorité et son influence efficace dans le monde. There are several ways the church can use to actually be impactful in the world. Je répète, il y a quatre différentes façons dont l'Église peut rendre son autorité et son influence efficace dans le monde. The church has four ways so that you'll be impactful in society and use her authority in the society.
society. Je suggère ces quatre voies. So I'm just sharing that and suggest those four ways. Numéro un, la prière. First one, prayer. Numéro deux, témoigner. Second one, testimony, witness. Numéro trois, prêcher, enseigner et démontrer. Third one, to preach, to teach and show this and manifest. Et numéro quatre, faire du bien. And fourth one, just to show good, do good. Aujourd'hui, l'Église fait beaucoup de bien. Today the church is doing some good. Qu'en est-il de la prière? What about prayer? Qu'en est-il de témoigner? What about to witness? Qu'en est-il de enseigner, prêcher et démontrer? What about to teach, to preach and to show? On prêche beaucoup. We preach a lot. On enseigne beaucoup. We teach a lot. Mais je crois qu'il est le temps de démonstration. But I believe it's really time to demonstrate, manifest. Je crois qu'il est temps de la démonstration. Of the manifestation. Que le monde est sur le point de découvrir le Dieu que nous servons. That the Lord is a, that the people are about to discover the Lord we serve. Que son nom n'est pas Pinocchio. Because his name is not Pinocchio. Son nom n'est pas Mickey. And his name is not Mickey. Il est Elohim. He is Elohim. Le créateur des cieux et de la terre. C'est ce Dieu-là qui marche avec toi. I'm telling you, this is this God. C'est is actually ce walking Dieu-là, with you. This God, ton papa. Your father. Merci. Merci. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont en train de dormir. Allez prendre un café. Some are actually sleeping. Take a coffee and come back. Je dis, ce Dieu-là, c'est ton papa. This God is your daddy. Je sais pas. Écoute, je vais te dire quelque chose. Sylvie a dit quelque chose de très important. Sylvie said something very important. Dire, quand mes enfants viennent vers moi pour me demander quelque chose. When my kids are coming to me and asking me something. Ma femme et moi, on bouge terre et ciel pour faire en sorte qu'ils les ont. My wife and myself, we just do everything we can so that they can get the things they're asking me. Si nous charnels que nous sommes. So if we as carnal people we are. Nous avons ce genre d'attitude envers nos enfants. We have this behavior towards our kids. Pouvez-vous juste imaginer votre père qui est là-haut? Can you imagine? What does your father in heaven? Je dis, pouvez-vous juste imaginer? Can you just imagine votre père your qui est dans heavenly les father? Bon, il y a des prédicateurs aussi derrière que j'entends. We have some preachers somewhere behind us. Ce sont les principales manières que Dieu attend que l'Église exerce son influence et autorité. So the four ways are the main way that the people that God is expecting His church to use to impact the society and use His authority. Dieu désire que l'Église exerce son influence dominante dans les affaires de ce monde. God is really expecting that the church is actually using His influence in the business life of this world. Dieu désire que son Église exerce son influence dominante dans les affaires de ce monde par le biais de la prière. And God is expecting the church to use her influence and impact in this business life through prayer. C'est indiqué dans les Écritures. It's written in the scriptures. Si l'Église ne fait pas, if the church does not do, l'Église, écoutez bien. Listen carefully. Écoutez bien. Listen carefully. Si l'Église ne le fait pas, if the church does not do it, l'Église est devenue le sel qui a perdu sa saveur. The church actually became this salt which lost her. Savior, thank you. Masha Karabusuk. Que faisons-nous, l'Église? So, what are we doing, church? Que faisons-nous? What are we doing? Je sais que je vous ai parlé quatre voies, mais je vais mettre l'accent sur la prière. I spoke about four ways, but I'm going to stress particularly prayer. Luc 18:1. So, Luke 18:1. Et ce verset commence, Jésus enseigne ses disciples pour leur montrer qu'il est nécessaire. So actually Jesus showed this to his disciples to show that prayer is so needed. Et quand on va quelque part, on nous dit toujours prends les choses nécessaires. When we go somewhere, people are always saying to us, just take the needed, the required things bon, with you. Sauf ma fille quand on va à New York, elle a deux grosses valises. Bon, except elle a la bénédiction daughter, pour pouvoir. Except my daughter, when she goes to New York, she has two big suitcases with her. Mais normalement, on te dit de prendre le nécessaire. Normally, you just take what you need. Ah ma fille, le nécessaire. Est-ce que tu es avec moi? Je ne te dis pas ça pour que tu rigoles, pour que tu prennes conscience au fait. Si Jésus dit que la prière est nécessaire, alors pourquoi tu ne le fais pas? If Jesus said that the prayer is needed, why are you not doing it? Non, parce que tu es plus intelligent que Jésus. Because you are more intelligent than Jesus. Bah, quelle est la raison? Il te dit de what le faire, is the tu ne le fais pas. If it tells you to do it and you don't do it, so what is the reason then?
1 Thessaloniciens 5:17. 1 Thessalonians 5:17. Priez sans relâche. To pray without ceasing. Éphésiens 6:18. Ephesians 6:18. Priez en tout temps, de toutes les manières, de toutes les façons, tous les jours, tous les ans, tous les millénaires, tous les siècles. Every century, every year, every time, every day. Bon, c'est paraphrase Samuel, ok? It's a paraphrase, ok. Est-ce que vous entendez l'urgence de la prière? Do you hear how urgent it is to pray? Bien que vous et moi, you and me, on a le temps de travailler, we have time still to work, d'aller voir les potes, to visit our friends, d'aller sur les réseaux sociaux, to go to the social networks. Bon, mon épouse m'a dit de ne pas mentionner qu'un seul réseau télévision, donc je vais dire tous les télés, ok? And we watch all Merci, the TVs. Chérie. Et c'est vrai. On a le temps de faire tout ça. We have the time to do all those things. On a le temps d'aller voir les potes. We have the time to go visit our friends. Mais on n'a pas le temps de prier. But we don't have time to pray. Si vous bougez pas trop, on saura qu'on parle pas de vous. If you don't move too much, we won't know we're talking about you. Matthieu 21:13. Jésus dit, ma maison sera appelée. Jesus said, my house will be called. Une maison de quoi? A house of what? Une maison sociale qu'on a fait les jeux. A social house where we are playing. Hein? Une maison de quoi? A house of what? Maison de quoi? Of what? Ah, vous avez la même Bible que moi, merci. Oh, you have the same Bible than I have. Et le mot maison peut dire aussi famille. And the word house means as well home and family. Donc Dieu, Jésus attend que son église prie, vrai? So Jesus expecting his church, his church to pray. Je vais vous dire quelque chose. Je veux vous rendre vraiment mal à l'aise aujourd'hui. I really want you to feel not at ease. Beaucoup d'entre nous, nous cachons notre manque de vie de prière personnelle en priant ensemble avec les uns les autres. Many of us actually are hiding our lack of personal prayer by praying all together. Nous compensons, nous sommes en train de soulager notre conscience en disant oui, je viens une fois, tu sais, l'intercession le dimanche matin. We say, oh, I'm coming on Sunday mornings to intercede and pray, so that's good. Et encore, il y a un certain visage que je vous attends là-bas le dimanche. And even though some faces were still expecting you behind the scenes. Et c'est tout ce que je dirais dessus. And that's all I'm going to say. Et vous avez vu là, deux semaines qui arrivent, on va mettre un Zoom tous les jours, de lundi à vendredi. And you've seen, we have a Zoom for the two coming weeks on evenings. Donc 19h30 à 20h. Half past 7 until 8 o'clock. Dites-moi juste qu'est-ce que vous devriez faire plus important que ça. Just tell me what is more important than that. We should do. Vous savez, ma femme et moi, c'est comme ça qu'on a fonctionné. Ça va faire 22 ans. My wife and myself were just functioning in this way for the past 22 years. Elle est en train de me supporter, Gloire. She's always here to bear with me, and you know. Aujourd'hui, si vous me voyez, non, je le dis vraiment parce que la Bible dit qu'il faut honorer ceux qui méritent d'être honorés. The Bible says we need to honor those who actually need it to be honored. Mais si vous voyez l'homme que je suis aujourd'hui, if you see the man I have, it's part because of. C'est grâce à cette petite dame. Thanks to this little woman here. Petite. Petite de l'extérieur, mais grande. Perhaps small outside, but very big inside. Si vous vivez avec lui, vous serez en agrément avec moi. If you know her more, you will agree with me. En tout cas, est-ce que c'est bon? Je peux passer ou je vous voulais encore d'autres? Je peux vous donner encore d'autres versets hein, jusqu'à demain matin. I can give you some more scriptures. Are you okay? Yes. Combien d'entre vous vous croyez que le Saint-Esprit est en train de vous localiser là où vous êtes, en train de vous scanner tout ce que vous voulez? How many of you believe that the Holy Spirit is scanning you and knows exactly where you are? 1 Timothée le chapitre 2 le verset 1 à 4. So 1 Timothée 2 verse 1 to 4. Voici à présent, t'as pas besoin de le dire, pour ceux en anglais vous le suivez. Voici à présent quelques recommandations. Je demande en premier lieu, qu'est-ce que tu demandes l'apôtre que l'on prie? First of all, what did he ask for? That we pray. We should pray. Je vous lis la traduction PDV. L'apôtre qui parle, l'apôtre se lève, tu dis, il va donner une révélation, tu vois. So, you know, the apostle Paul is just rising up and we're expecting a great revelation. Et là, c'est un père qui parle à son fils spirituel. And here is a father talking to a spiritual son. Là, c'est un leader qui parle à tous ceux qui suivent
ses instructions. It's a leader who is speaking to all those who are actually following his instructions. On pourrait dire un pasteur des pasteurs qui parle au pasteur. Like a pastor of all the pastors talking to pastors. Il dit avant toute chose. Before everything else. Faites le planning. Do the planning. Faites l'agenda. And you in faites agenda. Le budget. And in the budget. Ah, ah, ah. No, he didn't say that. Est-ce qu'il a dit ça? What did he say? C'est ce qu'on fait nous l'église. That's what we're doing actually. Il a dit he avant said first, toute before chose. Everything else. Pray. Tu m'étonnes que l'église n'a pas d'impact et d'influence. Don't be surprised if the church doesn't have any impact. On a tout inversé. We just put everything upside down. Je vais vous dire quelque chose. Écoutez, so I want to share something with you. Je sais qu'il y en a beaucoup, ça va déranger. Perhaps you're going to be disturbed about that. But je bénis Dieu pour la France. I really bless God for France. Mais j'ai bien aimé ce qu'un homme de Dieu a dit un jour. But I really loved what a man of God said once. Comment vous faites ça, les groupes que vous faites, comment vous appelez ça, les maisons de prière? Non. Les groupes de maisons. Pas communauté. Monastère. Pour l'événement, c'est quoi? Comité. Ah, les comités. Nous, en France, on fait que des comités. In France, we are doing committees and committees. On passe notre temps à discuter. We discuss all the time. Et à rien faire. And to do nothing. Ça sert à quoi, les comités? So what's the use of them? Je sais que ce que je dis, c'est dérangeant. I know that what I'm saying is about disturbing. Yeah. Oui, il faut le dire, Fabienne, c'est dérangeant. Yes, it's disturbing and it's bothering you. Mais je crois que Dieu m'a appelé pour déranger, au fait. I think the Lord called me to disturb you a little bit. Je ne vais pas rentrer dans les nids, au fait. Soit virez-moi, mettez-moi à la porte. Either you just put me, you know, outside the. Moi, je veux voir Dieu, moi. But I want to see God moving. So do the committees, maybe. God bless you. God bless you. Moi, je veux voir Dieu. But I want to see God moving. On discute. We are just talking and. Eh, hey, mais je suis fatigué avec discuter, moi. I'm tired of talking. C'est quand qu'on fait? When are we moving ahead? Est-ce que je vous dis, il y a un homme de Dieu qui est venu à l'église. So one day, a man of God came to the church. Blondel peut attester même Sylvie. Blondel even Sylvie. On était derrière là-bas. Said we were all behind. Il a prophétisé ça. And he prophesied this over me. Il est venu vers moi. He came to me. Il dit toi. He said you. Les gens vont devoir être dérangés parce que toi, tu n'aimes pas parler, toi. Tu viens et tu tranches et puis voilà, on n'en parle plus. And people will be bothered by you because you don't like talking. You say and you do. And that's it. Parler. Talking all the time. Tu sais, je fais comme dans les rayons au boulot, tu sais, j'enlève l'écran et je. And sometimes I'm just pushing on the screen and I'm just sleeping. C'est quand qu'on fait, au fait. And I'm saying, when are we moving ahead? Et je bénis Dieu pour Mohamed, pour cette comité d'évangélisation. I'm really happy with Mohamed and this outreach committee. Amen. Il faut qu'on rentre dans l'action. We have to go ahead with actions. Je vais vous partager le 101 Samuel. The what? 101 Samuel. One-to-one. One-to-one Samuel. Normally, we say 101. Anyway. Je t'embête, Fabienne. Oui, yes, I didn't catch it. So don't worry. Tu vois bien que je te nargue ce matin. Est-ce qu'on peut la remercier quand même? No, I'm fine. Plus je grandis dans ma foi, je réalise l'importance de la prière dans le rôle de la formation spirituelle et de ramener le royaume de Dieu ici-bas. Amen. So, the more I grow up in my faith, the more I realize the importance of prayer in my spiritual training and the use of it for the kingdom to come here. Yes, amen. Elle est ivre. Je vous le dis, elle va tomber dans pas longtemps. Et il se passe quelque chose ici sur la scène, je vous le dis. Hein. Vous aurez été là, vous aussi, vous n'aurez pas tenu. Je veux avancer vers une vie de prière plus vibrante et plus puissante pour sa gloire. I want to go ahead in a more powerful and more, you know, with more results in my prayer life. Il y a beaucoup de citations des hommes et des femmes de Dieu que je chérisse dans mon cœur. Many quotes from men and women of God I really cherish in my heart. Pour une question de temps, je vous donne trois. And I only give you three.
Charles Spurgeon. Charles Spurgeon. Je préfère enseigner à un homme prier qu'à 10 à prêcher. I rather teach a man how to pray than just to 10 men how to preach. Et aujourd'hui, Église, on veut faire des formations pour montrer les hommes et les femmes comment enseigner. And we want to do some trainings today to show men and women how to teach. Est-ce que cet homme a du poids ce qu'il dit? Does this man have some weight on what, with Le what deuxième. He says? So the second quote. D.L. Moody. D.L. Moody. Je préfère prier que d'être un grand prédicateur. Jésus-Christ n'a jamais enseigné à ses disciples comment prêcher, mais seulement comment prier. I prefer to pray than being a great preacher because Jesus Christ never teach his disciples how to preach, but just how to pray. Le dernier, pas le moindre. And the third one, not the least. Ce sont mes héros, des héros. My real heroes. Martin Luther. Martin Luther King. J'ai tant à faire. Luther. Sorry, Luther. J'ai tant à faire que je passerai les trois premières heures à prier. I have so much to do that I will have to spend the first 3 hours of my day to pray in prayer. Tu m'étonnes que Yonggi Cho a eu une église telle qu'elle a eu avant de partir pour dans la gloire. Sorry, I missed the beginning. Tu m'étonnes que pasteur Yonggi Cho a eu une telle influence et une telle église avant de partir dans la gloire. Don't be surprised that the pastor Yonggi Cho has such a great and powerful and impactful church before going to heaven. Pourquoi? Why? C'était un homme qui vivait la prière. It was a man who was actually living the prayer. Il y avait des montagnes de prière. There were mountains of prayer. Vous savez, c'est triste de dire aujourd'hui l'église veut faire un événement. So it's a bit sad to say that the church today organizes an event. On doit faire un événement comme si on est des clubs sociaux. Il faut mettre la prière en dernier si on a le temps. And we organize an event and we pray at the end if we have some more time spent. Yeah. Et tu t'étonnes que tu n'as pas d'impact et pas d'influence? And you are surprised that you don't have any impact or influence? Est-ce que ça parle? Does it talk to you? Seigneur, merci. Combien d'entre vous, vous voulez entendre les promesses de Dieu pour guérir notre nation? How many of you want to hear God's promises about healing our nation? 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 14. 2 Chronicles 7, verse 14. Et si mon peuple... And it says, and if my people... Si... If... C'est une condition. It's a condition. Ça ne veut pas dire que ça va se produire. It doesn't say it will happen. Cela arrivera... It will happen... Si seulement... If only... Si mon peuple fait quoi, premièrement? If my people do what, firstly? S'humilie. Will humble himself. D'où Jésus, on a besoin de l'humilité dans l'église aujourd'hui. We need some humility in the church today. On a besoin de l'humilité dans l'église aujourd'hui. We need humility in the church today. Et regardez l'ordre. And just pay attention to the order. Tu ne peux pas déclencher une vie de prière si tu ne vis pas dans l'humilité. You can have and start up a prayer life if you don't live in humility. Seuls les humbles, only the humble ones, déclenchent une vie de prière. Will start off a prayer life. Et ensuite, and then afterwards, il dit, cherche ma face. He said, just look for my faith. Tu sais, beaucoup disent, oui, Seigneur, je cherche ta face. Many people say, yes, I'm looking for Mais your face. Mais regardez l'ordre ici. But just pay attention to the order here. Et il te dit, humilie-toi. He says d'abord, be humble. Prie. Pray. Et ça va déclencher le fait de chercher la face and de Dieu. And then you will be able to start to look for God's face. Ça va te causer de devenir des affamés, des assoiffés de Dieu. And then you will become a thirsty and hungry person for God. Ça va faire de toi un amoureux de Dieu. And you will become a lover of God. Et ensuite, abandonnant sa mauvaise conduite, d'où Jésus. And then it's just to quit your bad habits. Tu te rends compte que nous, en tant que pasteurs, we as pastors, on doit recevoir des gens dans les bureaux qui chamaillent. We have people sometimes in our appointments who are actually quarreling dans each other. L'église. In the church. Je ne parle pas dans le monde. I'm not talking about in the world, but. Vous
Oh, je ne supporte pas. I can't stand him anymore. Pour l'amour du ciel. For heaven's love. J'ai su mes chaussures. Tu vois, c'est ça le problème aujourd'hui. That's the problem today. On a constitué une église, fais-moi du bien, je veux du bien, moi, je et moi-même. We have just created a church that says, give me some good, you know, on a oublié well-being, and I want to be to feel Jésus well. Dit, quand tu viens, tu prends la croix. And we forgot, but Jesus said, when you come, take your cross and follow me. Tu prends la croix. You just take the cross. Tu supportes ton frère. And you bear with ta your soeur. Brother and your sister. Je sais pas, c'est pas dans mes notes. Je sais pas pourquoi je vais là-bas. Ça doit être pour quelqu'un. In my notes, but probably for somebody here. Parce que Jésus est mort pour lui aussi, pour elle aussi. Because Jesus died for her and him as well. Oh, mais moi je ne peux pas pardonner. I cannot forgive. Vraiment? Really? Si on ouvrait le DVD, on regarde ta vie. And if we open up the DVD and look for your life. Dieu t'a pardonné? God actually forgave you. Alors qui es-tu toi pour ne pas pardonner? Who are you for not being able to forgive? Merci pour les quelques amens. Thanks for the amens. On ne veut pas grandir. We don't want to grow up. Tu vois, on ne veut pas devenir des disciples. We don't want to become disciples. On veut devenir des consommateurs. We want to become des obèses consumers spirituels. And be fat, fatty. Just give me food and give me food. C'est quand tu sors, tu vas témoigner. And then when you go outside and you when are you going out to bless somebody and give your testimony and to encourage somebody? When are you going out just to witness to somebody? Oh, mais j'ai trop de problèmes. I have too many problems. Peut-être qu'on devrait inverser. Perhaps we should reverse it. Peut-être le problème c'est TOI. Perhaps the problem is why you OU. Je vois les flèches qui arrivent, donc j'esquive. Bien aimé, il faut qu'on grandisse, au fait. We need to grow up. Aujourd'hui, je, ma femme et mes enfants, ils le savent. My wife and my children know. Que ce soit dans ma vie personnelle, dans ma vie de famille. In my personal life, family life. J'ai plus de temps, au fait. I have no more time. Si t'as envie de, j'ai pas de temps avec ça. I don't have time to do little things. Leave me alone. Laisse-moi seul. Yes. J'ai pas le temps, au fait. I don't have time. Tu veux dire que tout ce travail qu'on, toi et moi, on doit faire, on perd du temps avec ça, là. And because we have all this work to do and we are losing time with little things. On vaut mieux que ça, l'église. We have a better worth than this. J'ai dit l'église, on vaut mieux que ça. Our worth is much better than this. Wow. En tout cas, si c'est pour toi, prends-le. So if it's for you, just grab it. Ici, c'est une révélation que Dieu donna, c'est une révélation donnée à Salomon à des années de cela. Ce qu'on vient de lire. So the 2 Chronicles 7 is actually a revelation given to Solomon. Et tu peux dire oui, mais ça c'est pas pour aujourd'hui, Samuel. And you can say yeah, it's not for us today. J'aimerais te poser juste cette question. I want to ask you this question. Toi qui fais de l'herméneutique. You, the one who are doing some. Si dans l'Ancien Testament Dieu dit que son peuple pouvait faire ça pour guérir la nation. If the God was actually to his people in the Old Testament that the people had to do this to heal the nation. Combien à plus forte raison dans le Nouveau Testament, nous, son peuple, son Église, peut faire ça pour guérir notre nation? In the New Testament, we, his people and his church, can do this to heal our nation. L'humilité. Humility. Prier. Prayer. Cherche sa face. To look for his face. Se détourner de ses mauvaises voies. To turn away from the wicked ways. Ensuite, Dieu, j'écouterai. And then, I will call on the Lord. Ce qui veut dire que tant que tu ne fais pas tout ça, Dieu t'écoute pas. But as long as you're not doing this, the Lord will not listening to you. Peut-être tu te poses des questions. Est-ce que Dieu m'entend? Perhaps you're asking yourself, does God hear me? Si tu n'as pas fait ça, if you're not, if you didn't do comme this, comme dit les prérequis, the prerequisites, Dieu n'écoute pas. God will not listen to you. Et ensuite il dit, je guérirai. And then he says, I will heal. Dit, je guérirai. Say, I will heal. Oui, ce que je suis, vous voyez que je regarde ni mes notes ni l'écran. Pourquoi? Parce que 30 ans, je baigne dans ce verset. I'm not looking at my notes or the screen because in 30 years, I'm just be bathed and deeply in the prayer. Quand Dieu s'est révélé à moi, when God actually revealed himself to me, il m'a donné ce mandat pour pouvoir travailler en France. He gave me this mission to work in France. Oui, on ira dans les quatre coins du monde. Yes, we will go in the four corners of the world. Mais mon QG, c'est là. But my HQ will be here. Et si vous savez comment j'ai milité. If you knew only how I actually tried to negotiate. Et aujourd'hui, j'ai l'impression de voir
un échantillon de réponse à mes prières. And only now I'm looking and starting to see a little sample of all my prayers for the past 30 years. Parce que le réveil est là. Because the revival is here. Il faut qu'on accueille ce bébé. We have to welcome this baby. Il faut qu'on aide ce bébé à grandir. We have to help this baby to grow up and release it. Je discutais avec Blondel. I was discussing with Blondel. Je deviens militant aujourd'hui. I said I become a militant. Et je vais écraser tous ces esprits qui vont essayer de faire obstacle à l'esprit de réveil. And I'm going to crush all those spirits who actually wants to resist to the spirit of revival. Alors, si c'est toi, if it's you, hors de mon chemin. Out of my way. Wow. Les résultats que vous et moi, lorsqu'on humilie, prie, cherche sa face, se détourne de nos mauvaises voies. And the outcomes when we are humble, we pray, we look for his face and turn away from our wicked ways. Dieu écoute. God will listen to Dieu us. Pardonne. He will forgive et us. Dieu guérit. And he will heal us. Dieu écoute. God is Dieu pardonne. Listen to us, is forgive et us and he will heal us. Dieu écoute. God is listening oh, to us. Dieu pardonne. God will forgive et us. Dieu guérit. And he will heal us. Karabosoko. J'essaie de rester calme en fait. I start to vous keep savez quiet. Très bien. J'essaie de rester calme. I'm trying to keep cool. Ma prière, c'est que ce que je partage avec vous aujourd'hui inspire votre vie de prière. So my prayer is that what I'm sharing to you this today will inspire you in your prayer life. C'est pas pour condamner. It's not to condemn. C'est pour vous convaincre. It's just to convince you. C'est pour ceux qui ont une vie de prière, pour ceux qui n'ont jamais commencé, il est temps de commencer. For those who actually never started to pray, it's time to start. Ceux qui ont déjà commencé, qui se sont arrêtés, c'est le temps de reprendre le flambeau. For those who actually started in the past, stopped, it's time to take it again. Et ceux qui ont déjà and those une vie de prière, who have already a prayer life, continuez et intensifiez. Keep going and intensify your prayer life. Je répète, ceux qui n'ont pas une vie de prière, I repeat, those who don't have a prayer life, il est temps de commencer. It's time to start now. Ceux qui ont commencé et qui se sont arrêtés, for those who actually started in the past and stopped, il est temps de reprendre. It's time to start again. C'est peut-être pas anodin le fait que les flammes viennent dans notre... Oh mon Dieu. It's not by chance that the flame Olympic Games comes in this. Dans notre pays. In our country. Et qui plus est dans notre ville. And in our town. Et ceux qui ont déjà continué et intensifié cela. And those who actually have already a prayer life, just intensify it. Bien-aimés, on va démystifier la prière. We're gonna put away all mystery and demystify prayer. Je vais lire après tu le traduiras, yes. S'il te plaît. La prière n'est pas une obligation du chrétien, mais c'est une question de vie. Paul Yong Gisho a dit que la prière est comme la respiration. So the prayer is not something you have to do an obligation, but it's rather a question of life. And Yong Gisho said the prayer is like to breathe. La prière n'est pas un moyen pour prouver ma spiritualité, mais le droit d'égal d'exercer mon droit de citoyenneté sur cette terre. Oh, ma. Prayer is not a way to prove how spiritual I am, but it's more a legal right to use your citizenship here on earth. Et pour terminer, la prière n'est pas un moyen d'obliger ou manipuler Dieu pour faire quelque chose, mais plutôt de lui dire d'accomplir ce qu'il a décrété dans sa loi. And prayer is not a way to force God or manipulate God to do a particular thing, but rather to tell him to accomplish what he had already decreed in his law. Qu'est-ce que la prière, alors? So what is prayer then? Je sais que pour ceux qui m'ont déjà écouté prêcher sur la prière du royaume, for those who actually have already listened to me preached on this particular theme. Vous savez, un apôtre a dit, pour moi, c'est pas mauvais de vous répéter les choses. An apostle said, it's not too bad for me to repeat things. Donc la répétition est bien pour l'Église. Repetition is a good thing for the church. Pour que ça rentre. So that it gets into our mind. Pour comprendre la prière,
So to understand prayer, prenez des notes, écrivez ça, ça va so changer votre vie. So if you take notes, it's going to change your prayer life. Just pour comprendre la prière, so to understand devons prayer, comprendre le droit, la légitimité et l'autorisation. We should understand what law means, legitimacy means, and authorization means. Et quand tu comprends ça, and when you understand those things, ta vie de prière est sur le point de switcher. Your prayer life will switch and quand change. Quand tu comprends le droit, when you understand the legal right, la légitimité, legitimacy you have, l'égalité, the equality, et l'autorisation, and the authorization. Je te dis quelque chose. Dieu créa l'homme, vrai ou pas? God created man, yes. Et il le met dans le jardin. And he put it in the Eden garden, yes. N'est-ce pas? Yeah. Lorsque Dieu parla, comment when God entre spoke. Vous, vous savez, quand Dieu, le roi qui parle, ça devient une loi. And how many of you said when God spoke, it becomes a law? Vous êtes avec moi, c'est pas le moment de dormir. Are you here? It's not time to sleep. Je dis, comment entre vous, vous savez que quand Dieu parle, ça devient une loi? How many of you know when God spoke, it becomes a law? C'est vrai ou pas? Is that true or not? Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image et qu'il domine. And God said, just make man to our image so that he may dominate. Yes. Genèse 1, 26. Genesis 1, 26. Remarquez bien. Just note that lorsque Dieu dit domine sur la terre, when the Lord said just reign and subdue the earth, Dieu s'est pas inclus dedans. God actually didn't include himself in this. C'est la raison pour laquelle OK. Je vous donne ça et puis on va prier. Moins quand? OK. Sept principes. So seven principles. L'autorité légale de dominer sur la terre a été donnée à l'homme. The legal authority to subdue the earth was given to man. Deuxièmement, Dieu n'est pas inclus dans cette structure d'autorité sur la terre. God is not included in the structure of authority on earth. Troisièmement, third point, l'homme est devenu gestionnaire du deux mondes qui n'est nul autre que la terre. And man became sort of manager of this earth, which is called earth. The domain. Domain. Yeah. C'est pour ça qu'on dit kingdom, domain, king, domain. Oh mon Dieu, voilà. Ah, il faut que je m'arrête là. Les mots ont un sens dans la words Bible. Words mean something in the Bible. On est où? Quatrième. Fourth point. Écoutez. Listen carefully. Seul un esprit dans un corps physique a l'autorité sur la terre. Only a spirit in a physical body has authority on the earth. Cinquièmement, fifth point. Tout esprit sans un corps est illégal sur la terre. Every spirit which without a body is illegal on the earth. Six. Toute influence surnaturelle sur la terre, écoutez bien, toute influence surnaturelle sur la terre n'est légale que par le biais d'un homme. All a supernatural influence over the earth is only legal through a man. Hey, vous suivez? You're following us? C'est écrit dans la Bible, en fait. It's written in the Bible. Je suis juste en train de vous le synthétiser. I'm just summarizing it. Dieu lui-même s'est soumis à cette loi. And God himself submitted to this law. C'est ce qui veut dire que Dieu qui est dans les cieux, so it means God in the heavens, il ne peut seulement intervenir sur la terre si un humain lui demande. It means he will only intervene on earth if a human being et is c'est pas la religion qui le dit. It's not the religion who c'est pas les Pentecôtistes, ni les Baptistes. Or the Baptist people. Dieu l'a dit dans sa parole. God said it in his word. Oh mon Dieu, mon Dieu. C'est pour cela un jour, je termine. That's why one day. Oh, est-ce qu'on peut avoir un pianiste, quelque chose? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ça va canarder, mon Dieu, je suis prêt. I'm ready to shoot. Oh, je suis déjà parti, l'église. I'm already. Je ne rigole même pas quand j'ai compris. When I understood. Quand j'ai compris la place que j'ai sur cette terre. The place I have, the position I have on this earth. Je vais te dire quelque chose. I'm going to tell you something. C'est pas le gouvernement. It's not the government. C'est pas les leaders. Or the leaders. Qui dictent le monde. Who actually dictating the world. Je vais utiliser un mot qui n'est pas très français. I'm going to use a word which is not French. Ce sont les prières qui dictent le monde. The prayers are actually dictating the world.
Ce qui veut dire qu'avec ma prière, it means with my prayer, je peux switcher les situations. I can switch and change the situation. Avec ma prière, with the prayers, je peux switcher une circonstance. I can change avec the circumstances. Ma prière, and with my prayer, ne m'énerve pas. Don't make me angry. Je rentre dans ma chambre. If I'm going into my room, I pray. Tu vas te faire taper. You're gonna be hit. C'est ça le problème aujourd'hui. That's a problem. Nous on a today vu la prière, oh pauvre pécheur que we, je suis. We saw the prayer like, oh little Jesus, please help me. Je and suis help en train me de mourir pour ne pas I'm dire crever. I'm not saying I'm really already dead. Non mais arrête ça là, c'est quoi ça? Stop it, stop it. Non, lorsque tu prends ta posture, so, que tu es un représentant, un ambassadeur, when you take your stand and you are representative of lorsque God on earth, and when you're looking at the world, lorsque tu regardes les situations, and the tu commences à passer la vitesse supérieure. You just shoparabate kamaha shekeboko mambrama sekebo, et tu commences à regarder la maladie. Mais toi, qui es-tu, toi? And you look at and say, who are you just to come here and? Oh mon Dieu. Je sais que les traditions ont du mal, mais que Dieu bénisse Fabienne. Non, non, I'm fine. Mais est-ce que tu vois ce que je veux dire? You see what I mean? C'est ça, au fait. C'est ça. That's it. Tu as cette capacité d'appeler comme Élie le feu du ciel. You have this ability, like tu as Eli, cette capacité like de faire descendre le royaume. Fire of God tu as cette down capacité de faire agir la puissance du Saint-Esprit. Jesus, alors, of the Holy Spirit, manifests his soul. Lève-toi et commence à parler. Stand up and c'est talk comme and Ezekiel. Like Ezekiel. Lorsqu'il regarde la vallée de Smor. When he look at the, oh, all the bones, the dry bones. Dieu vient vers lui, il dit, l'homme, est-ce que ses os n'ont pas vie? And God said, may those bones live again. Et heureusement, il était ça. Il dit, toi-même, tu said, sais, mon Dieu. You know, God, if... Et là, il dit, and he said, prophétise. Just prophesy. It's time for the church to rise up with a prophetic voice. Et on commence à décréter, and that the à church decrees and releases l'influence du ciel, the influence of God, l'influence of heaven, royaume, of the kingdom. Laissez-moi vous dire. Just let me. Je ne m'inquiète pas qui tu es. I don't know who you are. Comment tu t'appelles? What is your name? Ne me laisse pas rentrer dans ma chambre de prière. Don't let me go into my prayer room. Parce que si je me mets à genoux, because if I go on my les knees, choses bougent. Things are moving. Les choses bougent. Things are moving. Alors toi et moi, on peut bouger la destinée de notre so nation. You and me, we can move and change the destiny of our nation during those two weeks. Oui, il y a weeks. Les votes. Yes, there are votes. Oui, c'est important de voter. Yes, it's very important. Mais vote. Au-delà des votes, mais far above this, on va bombarder. We're gonna pray. On va bombarder la terre. Amen. On va libérer les cieux. And we're gonna release on the va libérer heavenly les activités célestes. And we're gonna release all on the va dégager and make the way. Forteresses. And we're gonna destroy all the fortresses. Écoute, tu sais, il y en a qui disent, écoute. Some people are saying. Excuse-moi si je crois la Bible. Oh, sorry if I believe in the Bible. Il y en a qui disent, tu sais, il faut faire attention, people il ne faut say, pas parler contre ces forteresses. Don't speak against those fortresses. Mais je ne sais pas quelle Bible que tu lis, toi. I don't know which Bible you're actually mais dans ma reading. Bible dit que je suis en Christ. But my Bible says I'm in Christ. Au-dessus. Far above. Au-dessus. Above. Ce qui veut dire que quand je prie, bien-aimé, je ne prie pas en bas, when je I prie pray, au- I'm not praying. Here, ce qui veut dire qu'ils sont praying above. Sous mes and the principalities are underneath my feet. C'est pour ça que quand je prie comme ça, vous voyez l'atmosphère. When I'm praying, when I'm praying on the atmosphere is changing. Why? Because we are able to attract the heavens. Quand l'église rentre dans sa place, quand l'église joue son rôle, on va suivre la destinée de notre pays. On va suivre la destinée de notre nation. Of a nation. Et je crois que la France sera sauvée. And I really believe that France et je will crois be saved. Que l'Europe sera sauvée. And that Europe et je will crois be saved. Que le monde sera sauvé. And parce the world que l'église will be saved. Se lève. Woo! Woo! Ora!
voice. Nous refusons que l'ennemi s'empare de notre nation. We refuse that the enemy takes hold of our nation. Que les puissances démoniaques s'emparent de notre pays. And that the evil spirit just take hold of our nation. Prends le dessus. We refuse that. Nous voulons voir le royaume. We want to see the kingdom manifested. We want to see God's will and His manifestation. De la puissance de Dieu. Manifestation of God's power. Nation. Thank you for our nation. Nous ne paniquons pas. We are not panicking. Nous décrétons par la foi. We are decreeing by que faith. Tout va bien pour la France. That everything will go nous décrétons fine. Que tout va bien pour la France. We are decreeing that everything nous goes décrétons fine for France. Pas d'émeute. Pas de cassage au nom de Jésus. Amen. Tu vois, pour ça, il faut que tu le crois au fait. You have to believe it. Tu vois, est-ce que tu vas être un perroquet? Will you be a parrot? Ou tu vas décréter? Or will you decree it? Est-ce que tu vas être un perroquet? Will you be a parrot? Ou tu vas décréter? Or will you be decreeing? Moi, je crois qu'il est temps de décréter la puissance de Dieu. It's time to décréter l'avènement du Seigneur. The power of God and His coming. Décréter la venue du royaume. And we believe that the best is to come. Prions, prions l'église. Shita la brosoto, rebo soto rabaka tebo kosoko tebe shivu, reba sata rabaka, prions, 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 prions l'église. Oramashe karabosu. Baisser un peu. Là, c'est sérieux ce qui se passe.
Je vais le dire et vous le dites. On est ordonné, ok? L'ordre. C'est facile de te louer en France. It's easy to worship you in France. C'est facile de t'adorer en France. It's easy for people to encounter you in France. C'est facile pour que les gens te rencontrent en France. It's easy for people to be saved in France. C'est facile pour que les gens soient sauvés en France. It's easy for people to repent in France. C'est facile pour que les gens se répandent en France. Amen. It's easy for people to be healed in France. C'est facile pour que les gens se guérissent en France. Avec foi. It's easy for miracles to happen in France. C'est facile pour que les miracles se produisent en France. It's easy to forgive in France. C'est facile de pardonner en France. It's easy to hear God's voice in France. C'est facile pour entendre la voix de Dieu en France. It's easy for young people to be radical for God. C'est facile pour que les gens méchants deviennent des bonnes personnes en France. It's easy for young people to be radical for God. C'est facile pour que les jeunes soient radicaux pour le Seigneur. Amen. It's easy for the generations to walk together in France. C'est facile pour que les générations marchent ensemble en France. Et la dernière, it's easy to love God, Jesus in France. C'est facile pour aimer Dieu, Jésus-Christ en France. Amen. Wow, wow, wow. Bon, je vais juste bénir les internautes. Vous qui nous regardez, soyez bénis et soyez une bénédiction.